En France, les charges se précisent à l'encontre des policiers accusés d'avoir passé à tabac un homme samedi soir à Paris. Les quatre agents impliqués ont été placés en garde à vue. Selon le parquet, trois d'entre eux étaient entendus dans les locaux de l'IGPN pour violence volontaire en réunion avec armes et à caractère raciste, mais aussi pour faux en écriture publique, violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation volontaire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé à ce qu'ils soient suspendus de leurs fonctions dans la foulée et révoqués lorsque les faits seront établis. Le syndicat de police Alliance attend les conclusions de l'IGPN. Forcément, en regardant ce type d'image, on peut difficilement cautionner. Ça choque tout à chacun, y compris les policiers. Maintenant, on a tendance, nous, malheureusement, à avoir cette habitude, parce qu'on a pu le vérifier plus tard, qu'il ne faut pas se contenter uniquement des images. La version des membres des forces de l'ordre avait été mise à mal après la diffusion de ces images de vidéosurveillance qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui montrent un homme longuement roué de coups par plusieurs policiers. La victime nommée Michel venait d'entrer dans son studio du 17e arrondissement. Le producteur de musique dit avoir été suivi par les agents alors qu'il se dirigeait vers les lieux sans porter de masque. Le site Loopsider, qui a diffusé ces images, a publié ce vendredi une nouvelle vidéo accablante prise par un voisin à la sortie des locaux.